Le conseil communal de Bané Kouara, dans la plus grande sobriété, a célébré la fête de l'indépendance ce dimanche 1er août 2021. Dépôt de gerbes, revue de troupes militaires, présentation des civilités par l'exécutif communal aux élus communaux et responsables des forces de défense et de sécurité. Tels ont été les moments forts des manifestations officielles dans la cité de Banigansé. À l'occasion, le maire Biosala Kotamou, avant de souhaiter une bonne fête de l'indépendance à l'assistance, a tenu à féliciter ses collègues conseillers communaux de la 4e mandature qu'il préside depuis juin 2020. 61 ans après, beaucoup d'efforts ont été consentis pour le développement de notre chère commune Bané Kouara. Et la 4e mandature est en train de s'illustrer positivement à travers les actions fortes que nous posons, des actions fortes de développement qui impactent sérieusement la vie de nos concitoyens, la vie de nos concitoyennes. Chers collègues conseillers, je voudrais vous en féliciter. Vous féliciter pour votre sens d'engagement pour le développement de la commune de Bané Kouara. Vous féliciter pour votre abnégation, pour votre courage à braver à chaque instant les différentes difficultés pour parler et agir dans le sens du développement de la commune. Je vous présente toutes mes félicitations et vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Indépendance, tcha-tcha, Tosoumiye, Okinkwanza. Le maire a par ailleurs rendu hommage au nom du conseil communal de Bané Kouara aux forces de défense et de sécurité en fonction dans sa commune pour leurs différents efforts de sécurisation du territoire communal, car sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Les manifestations officielles de la 61e édition de la fête de l'indépendance dans la commune de Bané Kouara se sont achevées dans une ambiance détendue et très conviviale, suivie d'une petite concertation entre l'exécutif communal et les élus au sujet de l'actualité liée à la gouvernance locale au Bénin et les activités courantes de la mairie.